Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pourquoi le président Tshisekedi a-t-il boycotté la fin des travaux du sommet de la francophonie samedi dernier ? Le président de la République n'a pas participé à la dernière phase de travaux de la francophonie parce qu'il y a eu une omission coupable de son homologue français qu'il avait pourtant rencontré vendredi matin, des échanges qui se sont plutôt bien déroulés. La République démocratique du Congo étant le plus grand pays francophone et qui connaît l'une des plus graves crises humanitaires ne pouvait pas être omis dans la prise de parole du président Macron à l'ouverture du sommet de Villers-Cotterêts, même s'il s'est rattrapé plus tard, mais les mal étaient faits. Donc il y a eu pour vous, de la part du président Macron, lors de son discours d'ouverture du 4 octobre, une omission. Oui, une omission qui, à nos yeux, était coupable parce qu'il a parlé de la crise en République démocratique du Congo dans la même matinée, longuement, avec le président de la République. Et c'est une crise pour laquelle le président Macron s'est toujours montré volontariste pour contribuer à sa résolution. Et le fait que, dans son énumération des crises mondiales, il n'est pas mentionné, c'était suffisant pour nous, République démocratique du Congo, de considérer que c'était une omission. Coupable. Alors le samedi 5 octobre au matin, le président Tshisekedi a quitté les travaux du sommet et le soir même, lors de sa conférence de presse finale, le président Macron a justifié son omission de la veille en disant qu'il ne pouvait pas citer toutes les crises en cours dans le monde, mais en précisant qu'il n'y avait pas de double standard dans la diplomatie de la France. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, vous lui aviez fait passer le message dans la journée de samedi ? Écoutez, je crois que le président Macron, avec ses services, a noté ce qui s'est passé. Et c'est bien que le président Macron ait voulu rattraper ce qui a été considéré, en tout cas pour nous, comme une omission coupable, en revenant cette fois-ci avec des termes clairs, d'ailleurs, qui ont été repris dans les résolutions qui ont été adoptées au terme de ces sommets. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le Rwanda a été le seul pays sur le 88 à ne pas avoir approuvé les résolutions qui condamnent l'agression dans l'Est de la RDC, qui demande le retrait de troupes rwandaises et qui réitère le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour les deux années qui suivent sous la présidence de la francophonie par les présidents Macron, nous attendons donc voir plus de solidarité parce qu'avec la secrétaire générale, nous n'avons eu que très peu d'avancées sur les questions notamment sécuritaires dans l'Est de la RDC. Lors de cette conférence de presse finale de samedi dernier, Emmanuel Macron a précisé qu'à ses yeux, la francophonie devait jouer un rôle en soutien des efforts régionaux pour résoudre la guerre dans l'Est de votre pays. Est-ce que cela vous satisfait ? Nous avons noté justement cette position du président Macron qui a été dite de manière claire et sans embâche. Nous espérons que justement dans le cadre de la francophonie, pour une première fois depuis 2 ans, on parle d'une mission d'information qui va venir. Ici, nous n'attendons pas de la francophonie beaucoup plus que la solidarité qui doit être réitérée pour les locuteurs de la francophonie qui sont les principales victimes justement de cette agression portée par un pays qui est mi-figue, mi-raisin parce que le français, il faut le rappeler, n'est pas la langue officielle du Rwanda. Alors c'est dans 2 ans que s'achève l'actuel mandat de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que vous pensez que votre pays présentera un candidat pour lui succéder au poste de secrétaire générale de la francophonie ? Il va de soi que la République démocratique du Congo, de par son nombre d'élocuteurs, est en droit de prétendre à la direction du secrétariat général de la francophonie, pour autant que les modalités puissent être réunies. Je ne suis pas spécialiste sur la francophonie, mais en tout cas, le moment venu, je pense que notre pays les mérite amplement. Sur le fond, sur la guerre elle-même qui sévit dans l'est de votre pays, il y a un cessez-le-feu entre belligérants depuis la fin du mois de juillet, et il y a un plan harmonisé qui est en négociation, sous médiation angolaise, entre les experts du Congo et ceux du Rwanda, où en sont ces négociations ? Il y a une nouvelle phase des discussions qui sont prévues le 12 octobre, après celle du 14 septembre, qui malheureusement a fait l'objet de beaucoup de spéculations et beaucoup des distorsions de la vérité. Je dois rappeler ici que les discussions à Luanda, c'est des discussions ministérielles qui ont été précédées par des discussions entre experts. Les experts se sont mis d'accord, d'une part, sur le plan de neutralité
neutralisation des FDLR pour ce qui concerne la République démocratique du Congo et d'autre part pour les désengagements de forces rwandaises. C'est pas les experts techniques qui décident. La question a été portée au niveau politique le 14 septembre dernier à Luanda et la République démocratique du Congo a insisté pour que ces opérations se fassent de manière simultanée et concomitante. Donc on ne peut pas commencer d'abord la traque pour la neutralisation des FDLR et attendre quelques mois pour que le Rwanda puisse désengager ses forces. Ici, il faut rappeler que nous avons des millions de compatriotes qui dorment à la belle étoile et dans des conditions infrahumaines parce que les pans entiers du territoire sont occupés par l'armée rwandaise, 4000 hommes d'après le dernier rapport de Nations Unies. Il est important pour nous que deux opérations s'effacent de manière concomitante. Ça nous permettra d'accélérer, entre autres, les retours de nos populations dans leurs régions respectives. Alors, d'après le projet de plan harmonisé, il était prévu un décalage de 5 jours entre 1. La neutralisation des rebelles Hutu rwandais des FDLR et 2. Le début du retrait des troupes rwandaises et du M23 de votre territoire. Est-ce que ce sont ces 5 jours de décalage qui bloquent tout ? Je n'ai pas connaissance, moi, du plan harmonisé, y compris dans le détail, parce que c'est un document qui est censé être confidentiel, étudié au niveau de la médiation. Et nous, de ce point de vue, nous nous y tenons. Mais ici, il faut noter que pour nous, la simultanéité et la concomitance est une condition indispensable pour nous permettre d'avancer dans cette quête commune pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Que répondez-vous au ministre rwandais des Affaires étrangères qui affirmait samedi dernier au sommet de la francophonie que c'était vous qui bloquiez actuellement l'avancée des négociations? Je pense qu'il est de bonne coutume diplomatique que lorsque nous convenons autour notamment du médiateur que nous allons éviter l'escalade, de ne pas à travers les médias ou les réseaux sociaux chercher à dévoiler ce qui relève de l'ordre discrétionnaire lié aux discussions. Je vous ai dit tout à l'heure que les experts techniques n'ont pas la décision. Autant nous avons salué la pertinence des travaux qui ont été faits, autant c'est les politiques qui signent. Et lorsque le politique estime qu'il y a des choses à rajouter sur ce que les experts ont fait comme proposition, cela ne devrait nullement être perçu comme un élément de blocage. Et au 12 octobre, nous irons à Luanda avec la volonté de faire aboutir le processus pour le retour de la paix, parce qu'il faut rappeler que nos compatriotes décèdent tous les jours et ceci doit s'arrêter très vite. Alors ce samedi 12 octobre, c'est-à-dire demain, à Luanda, vous serez présent donc à ce 5e round de négociations avec le Rwanda. Est-ce que vous allez travailler sur le même projet de plan que celui du 14 septembre ou est-ce que vous allez travailler sur un texte qui aura évolué ? Je crois que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les équipes de la République démocratique du Congo vont s'y rendre avec la bonne volonté qu'ils ont exprimée dès le début pour que nous puissions aboutir avec un plan qui consacrera à la fois la concomitance et la simultanéité des deux opérations. Monsieur le ministre, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, la prison de Makala, à Kinshasa, a été le théâtre d'une tragédie. Le dernier bilan officiel est de 131 morts parmi les détenus. Le 9 septembre, vous avez annoncé qu'une enquête était lancée et qu'on en connaîtrait les premières conclusions une semaine plus tard. Quelles sont ces premières conclusions ? D'abord, il y a eu 132 morts. Le bilan a été réajusté parce qu'il y a un mort de plus qui a été découvert. Donc la première phase de l'enquête consistait justement à la compréhension des événements tels qu'ils se sont déroulés, leur séquençage et en évaluer la portée. Il y a eu 132 morts au total et dont 112 sont décédés principalement par bousculade et par étouffement et toutes ces personnes ont déjà été enterrées. Dans la foulée, il y a des procès en flagrance qui ont commencé pour les cas des violences et de voies de fait qui ont été commis contre certaines femmes prisonnières. Le deuxième volet de l'enquête qui combine à la fois la justice civile et la justice militaire continue parce qu'il y a des éléments notamment qui sont extra-prison qui méritent d'être élucidés pour que nous puissions connaître la totale vérité sur ce qui s'est véritablement passé et les conclusions ne sont pas encore prêtes pour ces deuxièmes volets. Les éléments extra-prison dont vous parlez, de qui s'agit-il ? Je ne saurais pas vous dire davantage mais il y a des éléments en dehors de la prison qui sont intervenus en tout cas ou des causes extérieures à la prison qui ont été à la base de ce qui s'est passé à la prison et c'est ce qui sera démêlé par la justice qui travaille quotidiennement. Est-ce que des gens se sont évadés ?
Non. Donc tout s'est passé à l'intérieur de la prison, en fait. Tout à fait. Alors vous avez promis la plus grande transparence, et vous nous dites aujourd'hui que sur les 132 morts, 112 ont été tués par étouffement. Sous-entendu, les 20 autres ont été tués par balles, c'est ça ? Bon, écoutez, je ne présenterai pas les choses comme vous le faites, mais il y a eu des avertissements, notamment des tirs, des sommations, qui n'ont pas été entendus, et les forces de l'ordre sont intervenues pour restaurer l'ordre et la sécurité dans la prison de Makala. Alors, vous avez promis la plus grande transparence, mais est-ce que cette enquête ne risque pas d'aboutir à un résultat décevant si elle est confiée à des autorités militaires, policières et carcérales qui vont tout faire pour dissimuler leurs propres responsabilités ? Je crois que ce qui a été dit ici, dans le cas de cette enquête, c'est que nous impliquions à la fois le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, la société civile, l'Église catholique, l'Église protestante et toutes les organisations non gouvernementales qui voudraient s'impliquer. Et c'est ce qui se fait pour que tout le monde puisse être informé au même niveau. C'est pour ça que les services carcéraux ont été ouverts, y compris les services judiciaires, ont été élargis à la société civile et à tous les acteurs qui pouvaient concourir à la manifestation de la vérité. Et quand est-ce qu'on connaîtra les conclusions de l'enquête ? Je ne saurais pas vous donner les conclusions de l'enquête à ce stade, ça relève de la justice, mais les moments venus, nous allons nous assurer que ces résultats vous soient transmis. Toute la lumière sera faite. Ce mercredi, la République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en compagnie de 4 autres pays africains afin d'y siéger à partir du 1er janvier prochain pendant une période de 3 ans. Mais après le drame de Makala, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme regrettent ce choix en votre faveur. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, c'est compréhensible, hein, encore qu'il faut regarder de quelles tendances sont ces organisations non gouvernementales, mais ici, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le pouvoir représenté par le président Tshisekedi ou par Madame Suminwa, mais c'est la République démocratique du Congo. Ici, je dois rappeler que la République démocratique du Congo a fait des pas énormes pour ce qui concerne la préservation, la promotion et la protection des droits de l'homme. Je ne voudrais pas parler de ce qui s'est fait dans mon secteur, mais s'il faut regarder le droit de personnes vivant avec handicap, s'il faut regarder la place de la femme, s'il faut regarder la gestion des questions liées aux victimes de différentes guerres à travers le FONAREF, je crois que la République démocratique du Congo a des bons exemples à donner en la matière, même si nous sommes dans une quête permanente. Et l'élection de la République démocratique du Congo au sein du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève nous permettra de continuer ces combats pour la promotion des droits de l'homme à ces stades, et nous porterons les causes qui nous sont les plus chères, notamment en ce qui concerne toutes ces personnes qui sont touchées par la guerre et leurs droits qui doivent être à tout prix préservés. Il y a 5 mois, le président Tshisekedi a déclaré qu'il voulait une constitution digne du pays, ce qui a provoqué beaucoup de remous à Kinshasa. Et la semaine dernière, le parti au pouvoir UDPS a relancé la polémique en appelant, je cite, à corriger les lacunes de la loi fondamentale. Est-ce qu'une réforme constitutionnelle est à l'ordre du jour ? Non, la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès, notamment vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans le jour qui vient, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent ? Toute évidence, en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence, si une initiative de ce genre appelait à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours, parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République en ce moment, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, c'est de terminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat, c'est cela l'urgence pour nous. À Paris, la semaine dernière, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé que la France allait organiser ce mois d'octobre plusieurs vols groupés pour reconduire des ressortissants congolais depuis l'île de Mayotte dans l'océan Indien jusqu'au Congo, votre pays. Quelle est votre réaction ? Écoutez, la manière dont cela est été présenté un peu spectaculaire. Mais je pense que nous sommes loin de là parce que cela risquait de prêter à confusion. Il existe des mécanismes entre les deux pays qui permettent de manière régulière
régulière pour des citoyens qui ne sont pas en règle de retourner dans le pays. Et je pense que c'est à cela que le ministre de l'Intérieur faisait allusion. Donc il n'y a pas nécessité de les percevoir comme la nouvelle du siècle parce qu'il a parlé publiquement de ce qui s'est fait par les services depuis plusieurs mois. Donc des vols groupés, il y en avait déjà depuis plusieurs mois. Ils ne démarrent pas ce mois d'octobre. Il y a des mécanismes qui existent, notamment avec le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des migrations. Alors quand il parlait des vols groupés, de combien de groupes parlait-il? Parce que d'après certains chiffres qui m'ont été communiqués, il s'agit plutôt d'une dizaine de personnes. Après, je ne sais pas ce que cela peut signifier, mais ici, il faut considérer qu'entre pays, il y a des mécanismes. Lorsque les citoyens ne sont pas en situation régulière, ils sont appelés à être ramenés. Cela ne devrait pas être compris comme une mesure spectaculaire. Patrick Mouyaya.